Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmaek pour une nouvelle partie de Ori and the Blind Forest, édition définitive. Nouvelle partie, nouvelle session qui sera, comme la session précédente, découpée en fonction de la longueur qu'elle aura. Donc, la dernière fois nous avons fait beaucoup de choses, on va même faire un petit voyage rapide, le temps de raconter tout ça. Le zoom, c'est CTRL et SHIFT, c'est écrit à l'écran. On va donc se rendre ici, effectivement. Donc, la dernière fois, on a fait beaucoup de choses. On a fait l'introduction, on est allé jusqu'à l'arbre. On est allé en direction ensuite de l'arbre Ginzo. Alors, jusqu'à l'arbre, je disais, c'est donc l'arbre en lumière. On est allé ensuite à l'arbre Ginzo pour restaurer l'élément des os. Il y a eu un petit contretemps, on a dû poursuivre Gumo le Goumon, et récupérer la clé qui nous permet de rentrer dans l'arbre Ginzo. On est allé jusqu'à son sommet, on a restauré l'élément des os, et on est retourné ensuite à l'arbre Lumière. Grosso merdo, j'ai résumé les trois premiers épisodes. Maintenant qu'on a débloqué des compétences, notamment celle-ci, selon Internet, cette compétence-là est nécessaire et suffisante pour atteindre la fin de la zone qui est là derrière. Zone que je ne connais pas. Donc moi je suis très intéressé. Vous vous souvenez, c'est la zone où on s'est joliment suicidé en sautant dans le noir. Donc tout d'abord, un petit passage là-dedans, juste pour me repérer où j'en étais. D'accord, donc deux points de compétence. Sprinter, je ne sais toujours pas sprinter, ce sera sûrement une nouvelle compétence de cette nouvelle zone, j'imagine. Efficacité énergétique, c'est intéressant. Surtout pour ensuite récupérer les autres trucs de balise. Ça, c'est clair. C'est clair. Pour la chasse aux différents collectibles, ce sera nécessaire. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même 100%. Hein. Donc, avec la lumière, pourquoi pas. Oh, hein. Augmenter la flamme spirituelle, ça c'est très 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 bon. Donc d'accord, ça demande toujours deux points. Donc ça, cette phrase là, on l'avait déjà vue avant notre suicide dans la première session. Donc c'est pas grave, on la refait. Hein. Ori, cette statue ne m'est pas inconnue, je l'ai déjà vue quelque part. C'est bien. Allons voir le caillou. Et le foyer de Naru, donc. On a pigé. Je m'en souviens. Il y a de nombreuses années, lorsque l'arbre aux esprits n'était encore qu'une jeune pousse, Naru, alors jeune, s'occupait de nous chaque fois qu'elle le pouvait. Dans la première session, j'ai tout de suite conclu que c'était donc... relativement parlant, symboliquement parlant, notre grand-mère. Non, c'est plutôt, je dirais, la copine slash nourrice des bestioles de lumière. Donc ça... Voilà. Et là, c'est joyeux. Là, on est dans le noir. Et faire des machins comme ça ne m'éclaire absolument pas. Aïe! C'est une pointe. C'est une pointe. D'accord. D'accord. Pour l'instant, j'étais très mauvais. Une zone dangereuse, vous foutez de moi? Punaise. Punaise, punaise. Donc là, le truc à ne pas faire, c'est sauter dans le vide. C'est pas une plateforme qu'on voit là en face, je crois, hein. Ah! C'était une plateforme! Toi, tu meurs. Aïe! Ça a tout l'air d'être une porte. Ok. Il va y avoir une autre porte en dessous. À laquelle on peut accéder comme ça. Mais qu'on ne peut pas toucher.
Ça c'est une pointe. Ah. Eh. D'accord. Sauf que je suis censé faire quoi moi maintenant? Aïe! Je crois que c'est le décès, n'est-ce pas? Ça va y ressembler en tout cas. Si je ne peux pas remonter, ça va être le décès. Je crois que je ne vais pas pouvoir remonter. Et c'est le décès. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Donc il ne faut pas du tout aller en fait de ce côté. Bon, on va aller là-dessous. Là, là où il y a le bestiau, ça a l'air mieux. Aïe. Ça a l'air mieux par là. Plein de pointes partout, accueillant. Ok. Ok. Ça c'est un mur. Très bien. Ah. Oh punaise. La lumière de l'arbre aux esprits, c'était notre cadeau. Elle fut offerte à Naru qui resta à nos côtés. Ah. Je vais attendre que l'ennemi sorte de mon corps. Merci. D'accord. Donc ce machin-là. Donc j'ai une loupiote. Ah d'accord, ça efface les... Ça efface les esprits. Oh punaise. Et ça en fait apparaître d'autres. Aïe! Qu'est-ce qui m'a touché? Ah, il y a une araignée là-haut. Saloperie. Ah! Bon. Si je lâche, il se passe quoi? Elle me suit, elle reste en bas, elle reste en bas. Elle reste en bas, elle reste en bas. Très bien. Tu veux bien tirer une autre bouboule? Tire une bouboule. Ah, elle finit par nous suivre, là. Ah, génial. Retour à l'envoyeur. T'es pas mort. Hop là. En tout cas, c'est très beau, hein. C'est très foireux comme plateforme, mais c'est très beau. Loupé. Loupé. Aïe, touché. C'est bon. Tué. Oh, punaise. Tu es bien crevé. Merci. Eh. Ok, donc c'est là que j'étais allé pour récupérer la bouboule. Bon. Aïe. Wow. Ah.
Je vois. Je vois le genre. Doucement. Doucement. Ah ah! Et là, ça ouvre le machin. Je crois que je n'ai plus besoin de la bouboule. On va sauvegarder. Alors, hop là! Je ne veux pas mourir! Je veux pas mourir, te dis-je. C'était juste. C'était juste. Caillou. Ah. Eh. Oh. Mais c'est que ça m'a l'air délicieusement foireux. Hé ! Ça passe ! Ça passe ! Ça, c'est toujours coincé, par contre. Hé ! Loupiote. Ah. Eh. Loupiote, 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 loupiote. Qu'est-ce que c'est ça? Loupiote. Un arbre. Ah, oh, saloperie. J'ai surtout été con de ne pas avoir refait de points de sauvegarde. Aïe. Pas grave, on va se refaire la petite série de plateformes, hein. Pas trop le choix. Saleté. Oula, 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 doucement. Allez, remonte-moi. Ok. Là, il y a une plateforme. Attends, voir, attends, voir. Là, il y a une sauvegarde d'abord. Voilà. Ensuite, là-haut, il y a une plateforme. Vas-y. Fais-moi grimper. Oh, pied de lion, j'y... Reviens là. Je suis allé un peu trop vite. Ouais. Allez. Eh. Hop. Oh. Ah.
À main. Hey. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous mettez la loupiette dedans? Hey. Apparemment. Eh ben, dans ce cas, loupiote. Et puis c'est bon. Ah ! Ori, regarde ! Bien que la lueur de notre lumière ait faibli, elle est tout de même parvenue à dissiper les ténèbres qui avaient englouti cet endroit. Super ! Super, super ! Et partout, en fait ! Ah, génial ! Aïe ! Génial ! Génial, génial ! Alors, je vais juste refaire, dans le principe, un petit tour là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas ! Oui, d'accord ! Juste histoire de voir avec toute la lumière, tout en allumé, ce que ça rend. Parce que c'est beau. C'est beau, moi je veux profiter de l'environnement comme ça. Eh bien. Eh bien. Oh, c'est toujours aussi foireux hein, comme endroit. Toujours aussi dangereux, dis donc. Très sympa, très 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 sympa, très 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 sympa. Tu dégages, toi. Merci. Y'a rien là-haut? Non. Aïe! Ah, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut espérer? Yes! À moi! Un point de compétence. Hop là. Bon, ben, on va regrimper et puis on va faire la suite. Paf, 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 paf. En tout cas, c'est magnifique. Je regrette pas un seul instant d'être venu dans ce coin-là. C'est toujours aussi beau. Ravive la lumière, si tu veux. Et allons-y. Et là, ça s'est ouvert là-dessous. Je m'en fous. Moi, je vois un arbre. Eki cherchait Naru, mais à son arrivée, elle était déjà partie. Il était rapide comme le vent et courait en toute hâte, mais entouré par les ténèbres, il a fini par se perdre. Un esprit! Un autre fantôme! Slurp! Tu as appris sprinter! Pour utiliser cette compétence, appuie sur CTRL afin de sprinter droit devant toi. Magnifique! Ah oui, en effet. Et donc je sais le faire en sautant depuis peu. Génial! On sauvegarde. Je peux aller en dessous. Ça a l'air un peu risqué. Je peux aussi aller par là. Ah mais tu m'étonnes que je sois mort. Fragment de pierre carte. Merci, monsieur. Ouh! Tu m'étonnes que je sois mort ici, dis donc. Alors, j'ai loupé un truc là-haut, ça peut attendre à la limite, donc il y a encore une zone là. Ça serait peut-être relié là. Ça semblerait cohérent. Oups là. Un levier avec plein de rouages. Ah, d'accord. Je vois. Je serais d'avis d'aller faire un premier passage peinard. Peinard tranquille.
et de faire le suivant plus sérieusement. Juste histoire de repérer les lieux, le trajet, tout ça. Bosquet perdu. C'est la suite? C'est une autre zone encore? D'accord, c'est ça qu'il voulait dire par utiliser le stomp. D'accord. D'accord. Parce que je savais sur internet qu'il fallait avoir le tac pour atteindre toute la zone là. C'est ça qu'il voulait dire par là. Entendu. Allez, on charge ce truc là. C'est bon. Et puis là, c'est le chemin rapide. Très bien. Est-ce que vous voyez venir le truc, là? Moi, je vois très clairement une belle pente avec un gros boulet au-dessus. Et on a deux points de compétence. Est-ce qu'on peut faire un truc? Toi. Allez. Moi, je sens venir le piège à con, là. Putain de piège à con. D'accord. Il n'y a pas moyen de l'esquiver. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Aïe. Je suis très mauvais, là, dit-on. Je me jette dans les pointes, et dans le boulet, et dans... Mais dis donc. Wow. Ok. C'était douloureux. Donc, ah, la pire carte en plus, je vois là-haut. Excellent. Bien. Ah, de la vie, magnifique. Ah, et un puits. Super. Super, super, super. Et par là, c'est direction le boulet. Oui, c'est le chemin que je n'avais pas pu prendre parce qu'il était beaucoup trop haut. On va activer la pierre carte. Ta-da. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Merci. Ouais, il y a encore pas mal de choses, dis donc. Il y a un autre arbre là-bas. Là, c'est l'accès qu'on a, d'accord. Magnifique, super. Alors, dans le principe, on va quand même découvrir ce petit bout de chemin, puis récupérer ça, au passage. Cellule de compétence, très bien. Donc là, c'est la grande chute du repère de Goumao. Si je me gourre pas sur le nom. Très bien, très bien. C'était une idée à la con. C'était une idée très à la con. Doucement. Et... Alors... Oups, but. Mais c'est que ça m'a l'air délicieusement dangereux.
Ouh. Oh, wow. Ah, c'est beau. Je profite du décor, là, c'est... Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Fous le camp. Merci pour l'XP. 2 points de compétence, donc je peux prendre un truc. Voilà, des balises de compétence. Ça fait qu'on voit les points de compétence, maintenant. Miam, miam, miam. Ils sont très utiles pour le backtracking. Ouh! C'était con, ça! J'ai sauté sans réfléchir. Ouh! Ouh! Bonjour, l'oiseau! Au revoir, l'oiseau! Merci, l'oiseau! Alors... Tout plein de trucs veulent me tuer! Des statues! Des statues de Naru. Je vois. Je vois, je vois. Ok. Sol savait projeter notre lumière et pouvait voir même dans l'obscurité. Elle vivait dans les profondeurs de ce bosquet et repose aujourd'hui en paix. Buvons son âme. Tu reposes en paix, slurp. Réveille-toi. Tu as obtenu éclat de lumière. Pour utiliser cette compétence, appuie longuement sur R afin de projeter un éclat de lumière. Appuie. Grenade! C'est ça en plus, c'est des grenades! On a des grenades! Waouh! C'est génial! Mais c'est génial! Mais je suis fan! Bon, d'accord, c'est pas très efficace contre les ennemis. Hop là, doucement. C'est ça qu'il faut lancer. Oh! C'est magnifique! Par contre, ça a l'air de coûter de l'énergie. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, ça a l'air de coûter de l'énergie. Ah, ça a désactivé merdier. Ah ben heureusement, sinon on pouvait pas sortir. Ah mais super. Donc partout maintenant... Ok, super. Génial. Donc en fait, partout où il y a... une torche... Il y a donc un... à faire. Je me comprends.
Fous le camp. Il y avait quoi là-haut? Il va donc falloir guetter des torches maintenant. Nice! Hop là! Ah ah! Merci, l'oiseau! Bon. Oh. De peu. C'est mieux. Ok. Aïe! Hop! On est où? Ok! Bah, c'est donc un point de compétence là. Ah, bah oui, en effet. Merci! Et je. C'est pas ce que je voulais faire. Et je vois que là, donc, il y a un truc. Ok. On va donc récupérer à nouveau notre point de compétence. Et ce, à cause de notre incompétence. Tu veux bien remonter le piaf? Merci. Toi, par contre, tu dégages. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que ça coûte de l'énergie au moins? Oui. Ça en coûte. Ça en coûte, ça en coûte. Cette fois, j'ai fait gaffe et j'ai bien vu, ça coûte de l'énergie. Donc, toi, j'ai dit que je te prenais. Maintenant, je peux sauvegarder. Hop là! Hé hé! Facile! Hop là! C'est pas ce que je voulais faire non plus. Bon. Alors par contre, pour repartir, il faut reprendre le chemin du laser. Pas trop le choix, hein. Bah ok, hein. Faute de mieux. Wouhou! Aïe! Je suis vraiment mauvais à me faire mal comme ça partout. Super. On peut pas encore accéder là-haut par contre. Hein. À moins qu'on puisse. Non, ils s'en foutent. Hein. Hop, la douce. Aïe! Là, c'est une zone fermée. Il y a sûrement des choses à récupérer, en effet. La suite, elle se trouve en dessous. Hein. La suite, elle attendra. Ouh! Aïe! C'était très mauvais. Vraiment très mauvais. Si, dans cet espace, il y a bien un truc. J'ai pas rêvé. Ah, c'était une zone cachée. Ok, descendons. Ah ah. Hé hé. Compétence. La création d'un édème rétablit deux cellules de vitalité.
Augmente la quantité de lumière spirituelle. Ah! On gagne plus d'expérience. C'est cool. Aïe! La dame se charge encore. Charge-toi plus vite! Merci. Charge-toi plus vite! Merci. C'était beau. Je suppose qu'il faut d'abord que je me mette là. Toi là-haut par contre. Je t'ai vu là-haut mais tu me... Ouh. Ça passe. Aïe. Ça passe. Ça passe. Ah, j'imagine qu'il faut que je tue celui qui est derrière. Pas assez fort. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Toujours pas. Bon. Dans ce cas, on va supposer qu'il faut faire autre chose. Ça me semble peu probable, hein, là il n'y a qu'un seul... Ah. Hop, regrimpe, regrimpe. Alors, ça veut dire qu'il faudrait effectivement tuer ce machin. En faisant comme ça, je peux pas, c'est pas... Et le lien d'âme, tu me saoules. Alors, un peu moins fort, peut-être. Non, hein. Dernière tentative, mais... Non, ça veut pas. C'est pas grave, hein. Ah ah. Rassurant. Tu te fous de... Des tonnes d'énergie là. Et moi de l'énergie, plus d'énergie. Je veux de l'énergie. Ok. Hop. Hop. Ça progresse. Touché. Bien. Et... À moi l'énergie. Je vois des oiseaux. J'en vois un là, je vois des larves, je vois des... Punaise. Ah, il faut tuer tout le monde. Aïe! Punaise! Ah, vous me faites mal, hein?
Allez, qu'est-ce qu'il y a par là? Encore toute une zone. Merci. C'est pas comme ça qu'on fait. M'en fous, c'est comme ça que moi je fais. Ah, on peut pas servir de leurs petites gouttes. C'est pas une bonne idée, hein, ce que je viens de faire. Sauter dans le vide comme ça. Rien d'autre sur le chemin. Très bien. Waouh, le décor. Aïe! Tais-toi! Et toi? C'est beau. Utilise frappe. Sans déconner, on peut faire ça. Ah, ben forcément. Ah ben ça peut faciliter des choses, oui. Y a rien sous la flotte. Là, y a peut-être un truc. Respire. Est-ce qu'on peut sprinter sous l'eau? Non. Va vite, va vite. Oh là. Vite, 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 vite. Poisson, 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 poisson. Poisson, 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 poisson. Respirez. 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 Point de compétence. Magnifique. Alors. Balise de vitalité, balise d'énergie. Bah écoute, c'est très tentant. C'est très tentant. Allez, on va compléter cet arbre-là en premier. Ah oui! Ah ben là, on est loin! Ah oui, en effet. En effet, en effet. Et de l'autre côté, c'est donc un puits, histoire de se téléporter et de se barrer de là. Très bien, très... Très bien, très bien. Faut se manier, par contre, faut se manier. Faut se manier, faut se manier, faut se manier. On ne peut pas respirer sous l'eau, donc il faut se manier. Hop là! Et puis là, c'est fermé, je suis con. J'avais eu. Hop là. Hop. Et donc il faut balancer la bouboule. Et s'en servir pour... Oh oui, oh mais là... Alors là, je ne sais plus quoi dire là, c'est... D'accord, ça ne marche pas, j'ai pigé. D'accord. Tu te fous de moi? Aller là-haut. Hop. Ah, sans déconner. Oui, pourquoi pas. D'accord. Ça me dit pas comment ouvrir cette porte-là.
Aïe. Eh ben j'ai ma réponse. Très bien. Très bien. Toi là-haut, tu me déplais fortement. Viens mourir vite. Merci mec. D'accord. Donc faut utiliser du sprint. En effet. Là, les machins, bah, ils donnent simplement un moyen de remonter en sautant. Ça va être un moment cinématique, là, non? Enfin, cinématique, je me comprends, un petit... Il se change en pierre quand il meurt? Ils ont quitté notre forêt, mais nous ne pouvons pas nous permettre de les pleurer. Gardez les disparus dans vos mémoires et ils vivront éternellement. Je vois. Et donc il se change en pierre quand il meurt. Je vois. Bon. D'accord. Aussi, c'est très beau. Là aussi, c'est très beau. Gardons. Très bien. Mon Dieu. Alors, il y a un paquet de trucs encore à récupérer. Écoutez, on refera le tour quand... Quand on sera vers la fin du jeu. Autrement, on va reprendre notre progression normale maintenant. C'est-à-dire pas là-haut, mais effectivement en direction du bois brumeux qui se trouve donc de l'autre côté. Hein, je sais très bien, je fais juste le tour de la carte histoire de repérer des choses, les choses qu'on a loupées. Il y en a encore un bon paquet. Hein. Très bien. Donc il faut retourner à l'arbre. Eh bien, retournons-y. Alors, zoom. C'était tout de même une zone... C'était tout de même une zone très intéressante, je dois dire. Très bien.